Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à te dire de mettre dans les commentaires glitch. Tu trouves un petit mot avec le mot glitch dedans et puis bah voilà, n'hésite pas à liker aussi. Donc mets-moi un commentaire avec le mot glitch et puis le plus stylé, bah on verra bien qui aura le plus de likes avec le mot glitch. Donc faites le plus beau commentaire possible avec le mot glitch et celui qui aura le plus de likes, bah il aura gagné quoi. Voilà, il aura tout simplement gagné. Et aussi sinon, tout simplement, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes des nouveaux. Je compte sur vous et à tout de suite pour le tuto. Hey les gens, c'est Denoir, comment allez-vous dans cette vidéo? Je vais vous montrer comment faire un bloc invisible sur Minecraft. Donc tout d'abord, vous avez tout simplement besoin d'aller sur une map. Donc vous lancez une map de votre choix comme vous voulez. Donc imaginons, nous allons l'appeler allez, appelons-la bah, bloc invisible. Attendez, j'ai peut-être dit Lucky Block sans faire exprès. Je sais pas, mais en gros, si j'ai dit Lucky Block, c'est plutôt, je parlais d'un bloc invisible. Donc comment faire un bloc invisible sur Minecraft? Donc vous n'avez pas besoin de faire comme moi, mais juste vous devez avoir votre monde en créa, je vous conseille en tout cas pour faire. Après en survie, je pense que c'est possible de le faire, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça, on va mettre en face en pacifique, juste enlever le jeu en ligne pour pas qu'on me rejoigne. Je vais mettre en monde super plat, mais on peut évidemment le faire en monde normal. C'est juste pour que bah, je puisse vous montrer tranquillement. Voilà, privilège d'autant, on va se les mettre pour se remettre en survie par la suite. Et puis bah allez, on va mettre ça et on lance. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, puisque s'il y a 4000 likes, j'essaierai de vous chercher un nouveau tuto bah, que vous savez peut-être pas forcément faire sur Minecraft. Mais en tout cas, voilà, donc ah, c'est bon. Donc juste enlever ça. On va enlever le cycle météo aussi, histoire d'être tranquille. Voilà. Donc on est là. On est tranquille. On est posé. On est pépélé. Non, je rigole. Donc bien évidemment, on va commencer le tuto. Mais juste avant, j'avais juste envie de vous dire un truc. Donc demain sont les résultats pour le concours du clavier. Donc c'est-à-dire jeudi. Et aussi jeudi, ce sera le même jour où je recevrai bah, un nouveau colis. Donc je vais recevoir un micro Rode. Donc c'est un Rode USB, NT-USB avec... avec un bras PSA. Donc enfin, en gros c'est un micro USB qui est plutôt de bonne qualité, je trouve. Donc vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en penserez. Je vous dirai dans tous les cas quand je ferai une vidéo avec, bah, avec le Rode. Donc du coup on testera ça bien évidemment. Enfin on le testera, ça sera peut-être même mon nouveau micro si, bah, si j'arrive à le configurer. Même si je crois qu'il n'y a pas forcément de truc à faire pour le configurer. Mais bon, c'est parti en tout cas. Donc vous avez vu là, on va faire un nether un peu petit, mais bon après, vous pouvez faire le nether de votre choix, ça fonctionne avec n'importe quel type de nether. Regardez si... Vous pouvez le faire avec ça, hein. Vous pouvez le faire très bien avec ça. Il faut pas un nether d'une taille particulière pour le faire. Et du coup, hop, on va le casser juste, mais... En gros, n'importe quelle taille de nether, vous pouvez le faire, mais bon, je vous conseille, si vous êtes en survie en créa, de faire le plus petit possible, puisque dans tous les cas, bah, dans tous les cas, vous l'aurez fait, vous allez le faire, votre bloc invisible. Donc c'est parti, hop, je vous montre. En gros, le but est simple, vous allez rentrer dans le nether, mais ah, pendant que vous êtes... Genre, là, je vais sauter, et au moment de sauter, et que je vais... Bah, en fait, je vais vous expliquer, hop, on va faire ça. Donc, voilà, imaginons... Ici, voilà, donc ça c'est le nether. Donc là, vous allez sauter et directement casser un bloc comme ceci. Enfin, plutôt vers là, là, casser plutôt les blocs qui sont là. Et bah, je vais vous montrer ça tout de suite. 3, 2, 1, let's go. Hop, j'ai réussi à en casser un comme vous avez vu. Et du coup, bah, le bloc va être invisible, voilà. Et voilà quoi, vous avez vu. Donc là, je peux me balader tranquillement, il n'y a aucun problème. Bah, en fait, c'est comme si c'était un bloc tout à fait normal. Donc c'est parti, on va continuer, on va continuer. Voilà, j'ai réussi encore une fois. On se rebarre. Voilà. Donc à partir de là, vous avez vu, on a deux blocs. Bon, bah, pour la vidéo, je vais m'arrêter là parce que je vais vous montrer comment faire un vrai bloc invisible. Après, si vous voulez, j'essaierai de faire un nether entièrement, bah, avec les blocs tout cassés, si vous voulez. Mais on va commencer tout simplement par le bloc invisible. Donc pour le faire, vous aurez besoin d'une porte. Donc, ouais, n'importe quelle porte. Voilà, hop. Hop, on va mettre une porte en chaîne, par exemple. Et vous avez vu... Vous avez vu qu'il y a un bloc qui s'est posé et l'autre bloc bah, qui est resté invisible, comme vous avez vu là. Donc bon, maintenant on peut casser le nether, il n'y a plus besoin. Il n'y a absolument plus besoin de ce nether. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord. Donc,
une fois arrivé là, je sais pas si vous voyez, mais juste à cet endroit là là, et bah il y a la porte qui est donc invisible. Et là, attendez, je vais faire un truc comme ça pour vous montrer qu'en gros on ne peut pas avancer. Regardez, on ne peut pas avancer, on est bloqué parce que la porte est invisible. Donc par contre en dessous ce n'est pas invisible, regardez, on peut très bien y aller. Il y a juste un bloc de la porte qui est resté invisible, attendez. Non, plutôt là. Ah non, les deux blocs de la porte sont invisibles je crois. Ah non, c'est bon. Il n'y a qu'un seul bloc qui est invisible, regardez. Il est là. Et là, imaginons, voilà, vous voulez sauter. Bon, en gros, voilà, il y a un bloc qui est invisible, l'autre ne l'est pas. Regardez, là, si j'essaie de sauter, pour pas dire que vous, pour pas que vous disent que c'est du fake, regardez. Vous avez vu, on ne peut pas sauter, comme je vous ai dit. Et puis voilà. Donc le bloc, il est là. Ensuite, bah, vous pouvez faire... Bah, à partir de là, vous pouvez faire tellement de trolls, j'imagine même pas tous les trucs que vous pouvez faire. Imaginons, voilà, vous voulez faire ça. Voilà, comme ceci. Et le mec, il se dit, putain, mais comment ça se fait que j'arrive à avancer? Tiens, il y a un abonné qui vient de me rejoindre. Donc, hop, je vais lui montrer tout de suite. Hop, il va essayer d'avancer. Hop, tac. Je vais pas lui mettre les droits par contre. Regardez. Tac. Regarde. Enfin, j'espère qu'il va comprendre. Regardez. Est-ce qu'il va comprendre qu'il y a un bloc invisible? Est-ce qu'il va comprendre qu'il y a un bloc invisible ou pas ce bâtard? Il a pas compris je crois. Bon en gros voilà, le bloc invisible il est là. Et voilà. Bon, je fais une coupure de temps qu'il. Peut-être qu'il comprenne un peu. Regarde. Ah, il a compris, c'est bon. Regarde. What? Eh oui. J'ai fait un bloc invisible. Bon, du coup, maintenant, je vais essayer de faire ça avec le Nether. Donc, hop. C'est parti. Hop, là, comme ceci, comme cela. Voilà. Hop, faut faire ça. Ensuite, il faut mettre le briquet. Il est là. Donc on allume, on va casser sur les quatre côtés. Et là on va essayer de faire un Nether totalement invisible. Enfin, j'ai pas réussi à casser. On va réessayer. C'est bon, là j'ai réussi. On va refaire une deuxième fois, troisième fois, jusqu'à ce qu'en gros tout soit cassé. C'est bon, hop. Tac, c'est bon. Voilà. C'est parti, let's go. Ok, c'est bon, on a réussi. C'est parfait. On est dans le timing, on est bon. Qu'est-ce qu'il met lui? Je sais pas, il écrit un message, il se dit putain, Twinner OMG. Oh my! J'ai pas réussi. C'est vraiment chaud un peu de tout casser. Parce que, je sais pas, on n'a pas la... Vous êtes prêts? J'ai réussi. C'était chaud. Ok. Vous êtes prêts? Regardez, hop. Voilà. Putain, on avance bien. C'est plutôt cool. Voilà. Donc là, il est devenu presque invisible. Hop. Voilà. On a bientôt fini, les gars. On a bientôt fini de casser tout le Nether. Allez, hop. On va encore casser un bloc. Voilà, bon, je fais une coupure autant de finir le reste. Bon, excusez-moi, j'ai un petit peu fait de la merde sur le dernier bloc. Du coup, ça ne va pas marcher. Je suis un petit peu dégoûté. Tiens, faut qu'ils comprennent. Juste, essaye de marcher par là. Vas-y, regarde. Hop. Regarde. Hop. Attends. Faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas passer. Tac. Hop là. Ouais, bon, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. Je vais vous le refaire une dernière fois pour qu'ils comprennent, les abonnés qui sont avec moi. En tout cas voilà, sinon si ça vous intéresse pas, quittez la vidéo maintenant, je vous ai tout montré. En gros, attendez, je vais essayer de le refaire pour qu'ils comprennent tout de suite. Hop là, c'est bon. Allez, on se recasse vite, on enchaîne. Voilà, c'est bon. Tac, hop, on casse et c'est bon. C'est bon, on a notre glitch qui va pouvoir être fait. Moque pas de temps, on casse ça.
et ça. On met ici ça. Attends, je vais juste leur essayer de pour qu'ils puissent nous voir un petit peu comment faire. Ensuite, il faut prendre une porte. Comme ça, et hop. Et ça là. Voilà. Et donc comme vous voyez ici, il y a le bloc qui est invisible. Voilà, il est très peu visible. Mais là, vous regardez. Là, on peut bien le voir. Attendez, je vais vous montrer là. Regardez, là, on le voit bien avec le ciel. Le bloc est totalement invisible. Et puis voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à te dire de mettre dans les commentaires glitch. Tu trouves un petit mot avec le mot glitch dedans et puis bah voilà, n'hésite pas à liker aussi. Donc mets-moi un commentaire avec le mot glitch et puis le plus stylé, bah on verra bien qui aura le plus de likes avec le mot glitch. Donc faites le plus beau commentaire possible avec le mot glitch et celui qui aura le plus de likes, bah il aura gagné quoi. Voilà, il aura tout simplement gagné. Et aussi sinon, tout simplement, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes des nouveaux. Je compte sur vous et à tout de suite pour le tuto. Yo. Percocet.